Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Vatican News pour suivre eh bien, ce voyage apostolique du pape François en Amérique latine, 22e voyage apostolique du Saint-Père et puis déjà le 6e en terre latino-américaine. Nous sommes au 3e jour de ce voyage qui a commencé lundi soir par l'arrivée aux alentours de 20h à Santiago et puis la journée d'hier avec de nombreux rendez-vous. Et aujourd'hui, nous sommes au sud de Santiago en direct de Temuco, pour la précision, Temuco qui est une ville à 700 km environ au sud de Santiago. Le Saint-Père s'est déplacé en avion pour arriver jusqu'ici. Nous sommes à 4 heures de décalage horaire avec Paris. Il est 14h15 à Paris et donc 10h15 ici à Temuco, où la messe eh bien, est sur le point de commencer. Nous sommes en fait sur une grande étendue non loin de l'aéroport de la Araucanía de Temuco. C'est un grand espace où eh bien, plusieurs centaines de milliers de fidèles pouvaient se rassembler pour participer à la messe du pape François en direct donc de cette ville pour célébrer la messe du progrès des peuples. Et nous sommes, en parlant de peuple, en terre mapuche, une terre des indios d'Amérique latine, une terre où vivent des populations autochtones, et une terre, on le verra au cours de cette messe, qui a connu et qui connaît malheureusement encore aujourd'hui des situations assez difficiles, des relations assez compliquées avec notamment le pouvoir central. Temuco, c'est une ville d'environ 300 000 habitants, capitale de la région de l'Araucanía. Je vous l'ai dit, à environ 700 km au sud de Santiago, sur les bords du fleuve Caotín et entouré de collines. C'est un territoire où habitaient les indios mapuche et où la culture et le style de vie de ce peuple est encore très visible à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de la ville. Vous verrez d'ailleurs que la messe sera animée par des populations traditionnelles et des chants traditionnel de cette population mapucho. Et puis cette terre est aussi celle qui a donné vie à pas moins de deux célèbres prix Nobel, Gabriela Mistral et Pablo Neruda. La ville a été fondée par l'armée chilienne en 1881. C'était au départ une forteresse pour contrer les attaques des indios. Et donc, comme on peut le constater, depuis 1881, date de la fondation de cette année de la fondation de cette ville, eh bien, les relations ont toujours été assez difficiles. Mais les colons, rapidement, malgré l'origine militaire de la ville, eh bien, ont commencé à transformer cette forteresse en capitale à dimension un peu plus humaine et pacifique de cette région. Alors que derrière moi, vous entendez le narrateur annoncer le début de la cérémonie. Le Saint-Père vient de quitter la sacristie pour se revêtir des vêtements liturgiques et se prépare à entrer en procession pour rejoindre avec les nombreux concélébrants l'autel sous un soleil magnifique, ici donc à Temuco. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestamos también gloriosos con Él. Con gran alegría y fe, disponemos nuestro corazón para acoger al Santo Padre. Recibimos a Pedro. Como iglesia que peregrina en esta tierra de la Araucanía y unidos a la Santa Iglesia Universal, rogamos al Vicario de Cristo, nuestro Papa Francisco, nos presida la celebración del Santo Sacrificio del Señor.
alors que le narrateur a demandé à l'assemblée eh bien, de se préparer à vivre cette messe et à présenter l'arrivée du pape François, demander à chacun de préparer son cœur à l'accueil du Saint-Père ici en cette terre Mapuche. Et comme je vous l'avais dit en présentant rapidement cette célébration, nous aurons droit à plusieurs moments où nous pourrons toucher du doigt la vie traditionnelle des populations autochtones, puisque on vient aussi de l'entendre, c'est au son des cornes traditionnelles que cette messe a pu débuter, et chantons ensemble cette ouverture de la célébration. Juste avant que nous rentrons dans l'ambiance de la messe, je vous rappelle que parmi les rendez-vous du Saint-Père, hier il y a eu, on en a beaucoup parlé ces jours-ci, notamment avant l'arrivée du pape, il y a eu quelques moments de tension, notamment de la part d'associations de victimes d'abus sexuels, et comme il le fait régulièrement, le Saint-Père a tenu à rencontrer un groupe de victimes, une rencontre qui s'est déroulée dans un cadre strictement privé et dont en fait l'événement n'a été communiqué que par le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, puisque personne n'était présent, hormis le pape et un petit groupe de victimes qui se sont retrouvés hier à la Nonciature apostolique à Santiago après le déjeuner. Ces personnes qui ont été abusées par des prêtres dans leur jeunesse ont pu raconter leurs souffrances. Le pape les a écoutées, il a prié et pleuré avec elles. Mais le pape avait déjà pris la parole sur ce sujet, puisque devant les autorités chiliennes, un peu plus tôt, au palais de la Moneda, au palais présidentiel, en rencontrant le corps diplomatique et les membres de la société civile, il avait exprimé sa douleur et sa honte face, je le cite, au mal irréparable fait à des enfants par des ministres de l'Église. François a dit vouloir s'unir à ses frères dans l'épiscopat, car s'il est juste de demander pardon et de soutenir avec force les victimes, il nous faut en même temps nous engager pour que cela ne se reproduise pas. Et précisément pour que cela ne se reproduise pas, c'est aussi toute la question que posent les associations de victimes, car ils souhaitent qu'au-delà des paroles du pape, eh bien, l'Église s'engage par des gestes concrets de façon à éviter que des gestes irréparables comme ceci puissent à l'avenir se reproduire. Mais il faut souligner également que grâce notamment à l'action du pape Benoît XVI, grâce à cette même action poursuivie par le pape François, c'est l'option tolérance zéro qui est prioritaire et tout est fait dans l'Église catholique pour que eh bien, les brebis égarées soient écartées du troupeau.
La procession rejoint l'autel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la célébration commence. Elle est ouverte par le pape François. Que pour l'action de l'Esprit Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Al iniciar esta celebración, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación. Demandons à Dieu la conversion de nos cœurs. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre la messe du pape François à Temuco, qu'elle vient tout juste de débuter, et que nous sommes en direct sur Vatican News. J'en profite pour saluer nos amis fidèles et partenaires de Radio Maria et de AWTN Television. Et comme cette messe commence dans une localité où habitent des populations indios mapuche, ce sont ces populations qui viennent, en habit traditionnel, saluer le pape François. Salut au son des cornes, des tambours et des clochettes.
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Prions. Dios nuestro, Dieu, qui a donné au peuple la même origine pour former en toi une famille, enflamme dans les cœurs le feu de ton amour et le désir d'un progrès juste pour nos frères, de sorte que les biens destinés à tous promeuvent la dignité de chaque personne et renforcent dans la société humaine l'équité et la justice, en surmontant toute division entre les hommes. Superando toda división entre los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La liturgie de la parole aujourd'hui est composée de la lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Alors que l'assemblée de plusieurs centaines de milliers de fidèles est plongée dans le silence. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Palabra de Dios.
Le Seigneur promet la terre pour son peuple, nous dit le psaume. Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob, tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Nous avons acclamé l'Évangile, nous allons maintenant en écouter la lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Père, que todos sean uno, como tú, Padre, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient en un, nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et que moi aussi, je sois en eux.
Préparons-nous à écouter l'homélie du pape François. Mari, Mari, fume ton gong, tanyema. Doy gracias a Dios por voilà, alors ces applaudissements viennent saluer cette entrée en matière en langue mapuche, Marie-Marie qui veut dire bonjour, Kume Tungun Ta Nimun, la paix soit avec vous, toujours en langue locale. Je rends grâce à Dieu de me permettre de visiter cette belle partie de notre continent, la Araucanía, terre bénie par le Créateur, avec la fertilité d'immenses champs verts, avec des forêts denses d'Araucarias impressionnants, le cinquième éloge de Gabriela Mistral à cette terre chilienne. Ces majestueux volcans enneigés, ces lacs et ces rivières pleins de vie. Ce paysage nous élève vers Dieu. Et il est facile de voir sa main en chaque créature. De nombreuses générations d'hommes et de femmes ont aimé et aiment ce sol d'une jalouse gratitude. Et je veux m'arrêter et saluer spécialement les membres du peuple mapuche. Ainsi comme también a los demás pueblos originarios. Ainsi que les autres peuples autochtones qui vivent sur ces terres australes. Rapa Nui, sur l'île de Pâques, Aymara, Quechua, Atacameños et de nombreux autres. Esta tierra, si la miramos con ojos de turista, nos dejará extasiados. Y luego seguiremos nuestro rumbo sin más y acordándonos de los lindos paisajes. Pero si nos acercamos a su suelo, lo escucharemos cantar. Y cantar con tristeza. Arauco tiene una pena que no la puede. Cette terre, si nous la regardons avec des yeux de touristes, nous laissera extasiés. Mais ensuite, nous continuerons notre route, sans plus. Mais si nous nous approchons de son sol, nous l'entendrons chanter. Arauco sent une douleur que je ne peux faire taire. Ce sont les injustices de plusieurs siècles que tous voient commettre. C'est une citation de Violeta Parra. C'est dans ce contexte d'action de grâce pour cette terre et pour ses habitants, mais également de peine et de souffrance que nous célébrons l'Eucharistie. Et nous le faisons sur cet aérodrome de Macul. La célébration la offrons pour tous. Sur lequel eurent lieu de graves violations des droits de l'homme. Cette célébration, nous l'offrons pour tous ceux qui ont souffert et qui sont morts, et pour ceux qui chaque jour portent sur les épaules le poids de nombreuses injustices. Le don de Jésus prend en charge avec tout le péché et toute la souffrance de nos peuples, une souffrance pour être rachetée. La entrega de Jesús en la cruz carga con todo el pecado y el dolor de nuestros pueblos, un dolor para ser redimido. En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús ruega al Padre para que todos sean uno. Dans l'Évangile que nous avons entendu, Jésus prie le Père pour que tous soient un. À un moment crucial de sa vie, il s'arrête afin de prier pour l'unité. Son cœur sait que l'une des pires menaces qui frappe et frappera les siens et qui frappera aussi toute l'humanité sera la division
et l'affrontement, l'asservissement des uns par les autres. Que de larmes versées. Nous voulons aujourd'hui entrer dans cette prière de Jésus. Nous voulons entrer avec lui dans ce jardin de souffrance, avec nos souffrances également, pour demander au Père avec Jésus que nous aussi, nous soyons un. Ne permets pas que nous gagnions l'affrontement ni la division. Cette unité, voulue par Jésus, est un don qu'il faut demander avec insistance pour le bien de notre terre et le bien de ses enfants. Et il est nécessaire d'être attentif aux possibles tentations qui peuvent apparaître et polluer à la racine ce don que Dieu veut nous faire et par lequel il nous invite à être des protagonistes authentiques de l'histoire. Quelles sont ces tentations? Quelles sont ces tentations? L'une, ce sont les faux synonymes. L'une des principales tentations à affronter est de confondre unité avec uniformité. Jésus ne demande pas à son Père que tout soit pareil, identique, puisque l'unité ne naît pas et ne naîtra pas du fait de neutraliser ou de taire les différences. L'unité n'est pas un simulacre d'intégration forcée ni de marginalisation harmonisatrice. La richesse d'une terre naît précisément du fait que chaque partie s'emploie à partager sa sagesse avec les autres. Ce n'est pas et ce ne sera pas une uniformité asphyxiante qui naît normalement de la domination de la force du plus fort. Non plus une séparation qui ne reconnaît pas la bonté des autres. L'unité demandée et offerte par Jésus reconnaît que tout peuple, toute culture est invité à apporter à cette terre bénie. Elle reconnaît que l'unité est une diversité réconciliée puisqu'elle ne tolère pas qu'en son nom soient légitimées des injustices personnelles ou communautaires. Nous avons besoin de la richesse de chaque peuple à apporter. Et il faut laisser de côté la logique de croire qu'existent des cultures supérieures ou inférieures. Los diferentes materiales y colores que sepan darle tiempo a cada cosa y a cada etapa. Un beau chamal demande que les tisserands connaissent l'art d'harmoniser les différents matériaux et les couleurs, qu'ils sachent donner le temps à chaque chose et à chaque étape. On pourra les imiter industriellement, mais nous reconnaîtrons tous qu'il s'agit d'un vêtement synthétique. L'art de l'unité a besoin et requiert d'authentiques artisans qui sachent harmoniser les différences dans les ateliers des peuples, des chemins, des places et des paysages. L'unité n'est pas un art de bureau, ni seulement fait de documents. C'est l'art de l'écoute et de la reconnaissance. En cela s'enracine sa beauté et sa résistance à l'usure du temps et des tempêtes qu'il devra affronter. L'unité dont nos peuples ont besoin demande que nous nous écoutions, mais surtout que nous nous reconnaissions mutuellement. Ce qui ne signifie pas seulement recevoir des informations sur les autres, mais recueillir ce que l'Esprit a semé en eux comme don aussi pour nous. Cela nous introduit sur le chemin de la solidarité comme une manière de tisser l'unité, comme une façon de construire l'histoire. Cette solidarité qui nous conduit à dire « nous avons besoin les uns des autres à partir de nos différences pour que cette terre continue d'être belle ». C'est la seule arme que nous avons contre la déforestation de l'espérance. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, fais de nous
des artisans de l'unité. Otra tentación puede venir en la consideración de cuáles son las armas de la unidad. Nous en arrivons donc maintenant aux armes de l'unité. L'unité, pour être construite à partir de la reconnaissance et de la solidarité, ne peut accepter n'importe quel moyen à cette fin. Il y a des formes de violence qui, au lieu de stimuler les processus d'unité et de réconciliation, finissent par les compromettre. En premier lieu, nous devons être attentifs à l'élaboration de beaux accords qui ne parviennent jamais à se concrétiser. Bonnes paroles, plans achevés, oui, ils sont nécessaires, mais qui, en ne se concrétisant pas, finissent par effacer avec le coude ce qui a été écrit avec la main. Cela aussi, c'est de la violence, car cela déçoit l'espérance. En second lieu, il est indispensable d'affirmer qu'une culture de la reconnaissance mutuelle ne peut pas se construire sur la base de la violence et de la destruction qui finissent par coûter des vies humaines. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro. On ne peut demander la reconnaissance en détruisant l'autre, car la seule chose que cela éveille, c'est davantage de violence et de division. La violence appelle la violence et la destruction augmente la fracture et la séparation. La violence finit par faire mentir la cause la plus juste. C'est pourquoi nous disons non à la violence qui détruit sous toutes ses formes. Estas actitudes son como lava de volcán que todo arrasa, todo quema, dejando a su paso solo esterilidad y desolación. Busquemos, en cambio, y no nos cansemos de buscar el diálogo para la unidad. Por eso decimos con fuerza, Señor, haznos artesanos de unidad. Todos nosotros que en cierta medida somos pueblos de la tierra, estamos llamados al Kumemongen. Ces actitudes sont comme la lave du volcan qui rase tout, brûle tout, laissant seulement sur son passage stérilité et désolation. Cherchons en revanche le chemin de la non-violence active comme style d'une politique de paix. Cherchons et ne nous lassons pas de chercher le dialogue pour l'unité. Pour cela, disons avec force, Seigneur, fais de nous des artisans d'unité. Nous tous, qui dans une certaine mesure sommes peuple de la terre, nous sommes appelés à bien vivre, comme nous le rappelle la sagesse ancestrale du peuple Mapuche. Que de chemin à parcourir, que de chemin avec lequel se familiariser. Kumemonje, un désir profond qui jaillit non seulement de nos cœurs, mais qui résonne comme un cri, comme un chant dans toute la création. C'est pourquoi, frères, pour les enfants de cette terre, pour les enfants de leurs enfants, disons avec Jésus au Père, que nous aussi, nous soyons un. Fais de nous des artisans d'unité. Hermanos, hagamos un momento de silencio para meditar en nuestros corazones la palabra que el Señor nos ha regalado en la persona del Santo Padre, el Papa Francisco. Voilà, et comme à chaque fois après l'homélie, nous sommes invités à quelques instants de prière et de réflexion, une homélie centrée sur un appel fort à la non-violence, car je vous le rappelle, nous sommes ici en terre Mapuche, le territoire des Indiens Mapuche, la principale ethnie indigène du Chili. C'est un peuple qui a repoussé les colons espagnols, mais qui ensuite a été colonisé par le pouvoir créole chilien et qui lutte
pour la récupération des terres. Ces trois dernières années, il faut savoir qu'une vingtaine d'églises ont été brûlées dans la région, des attaques en partie attribuées à des groupes extrémistes mapuchés. Une relation donc souvent difficile, ambiguë, violente entre l'Église catholique et les Indiens de ce pays, de cette région. Voilà donc la parole du pape dans ce contexte de tension, une parole réconfortante, une parole pour, oui, demander aux Chiliens et au peuple mapuche de continuer à revendiquer leurs droits, mais de ne jamais céder à la violence, et surtout aussi d'être attentif aux faux synonymes, le pape a dit, les belles promesses qui sont tellement belles qu'elles ne peuvent jamais se réaliser, et aux accords qui sont écrits avec la main et les mêmes lignes sont ensuite effacées avec le coude. Ce sont les propres paroles du Saint-Père. Frères et sœurs, élevons nos prières vers Dieu, Père Tout-Puissant, qui désire le salut de tous les hommes et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui en Christ a révélé ta gloire aux nations, protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que l'Église répandue sur toute la terre persévère avec une foi inébranlable dans la confession de ton nom et assiste avec ta bonté habituelle notre pape François. A quien has constituido sucesor de Pedro. Oremos. Dios nuestro, tú quisiste que la familia tuviera en ti su firme fundamento. Escucha con bondad. Señor, auteur et ami de la paix, te connaître, c'est vivre et te servir, c'est régner. Délivre-nous de toute violence, afin que, confiant dans ta protection, nous puissions nous consacrer sans crainte au bien de tous. Oremos. Dieu Tout-Puissant et Éternel, nous te prions pour nos populations indigènes, particulièrement pour le peuple mapuche, afin que, fidèles à leur culture et à leur tradition, ils contribuent avec leur sagesse ancestrale au progrès authentique de notre région. Et cette prière des fidèles nous est lue en langue mapuche. Dios todopoderoso y eterno, te pedimos por nuestro pueblo originario, particularmente por nuestro pueblo mapuche, para que, fieles a su cultura y a sus tradiciones, contribuyan con su ancestral sabiduría al auténtico progreso de nuestra región. Oremos. Amen.
même prière lue en langue mapuche et en espagnol. Dios nuestro, con tu ayuda, nuestros hermanos campesinos siembran la tierra y de tu poder esperan su fecundidad. Une nouvelle intention. Notre Dieu, avec ton aide, nos frères paysans sèment la terre. De ton pouvoir, ils attendent sa fécondité. Donne avec abondance ce qui échappe à leurs efforts, parce que tu es celui qui permet la croissance, afin que nous puissions profiter des fruits de la terre en louant ton saint nom. Señor Dios nuestro, tú conoces el corazón de todos tus hijos migrantes en nuestra patria. Seigneur notre Dieu, tu connais le cœur de tous tes enfants migrants dans notre patrie et dans le monde. Tu connais leurs souffrances et leurs espérances. Bénis leur vie et donne-nous un cœur miséricordieux pour que notre charité devienne vivante et opérante avec eux. Señor, autor y amigo de la paz, conocerte es vivir y servirte es reinar. Líbranos de toda violencia, para que, confiando en tu amparo, podamos dedicarnos... Señor, auteur y ami de la paix, te connaître, c'est vivre et te servir, c'est régner. Délivre-nous de toute violence, afin que, confiant dans ta protection, nous puissions nous consacrer sans crainte au bien de tous. Père, sois généreux avec ton peuple qui te supplie et fais-lui recevoir en temps opportun ce qu'il demande par ton inspiration. Cette prière des fidèles, prière universelle, conclut la liturgie de la parole et nous introduit maintenant dans la liturgie eucharistique qui va débuter par la présentation des dons. Ces offrandes sont apportées à l'autel par un groupe de fidèles. Il y a une famille avec leurs enfants. Et puis il y a aussi bien sûr des représentants des populations indigènes de cette région. Le Saint-Père se prépare à recevoir ses dons. Il se place devant l'autel. Et la première famille s'avance. Couple et ses trois petits-enfants. Voilà, une touche amicale du pape François sur la tête du plus jeune et des deux autres enfants, le sourire du Saint-Père, visiblement toujours content de ces quelques instants d'échange, et la famille a l'air très émue. Les dons sont ensuite déposés sur l'autel. Ce sont des familles qui se succèdent. Un couple plus âgé. Et puis une famille en tenue traditionnelle.
petite fille qui vient se lever contre le Saint-Père, amicalement. Cette procession des dons se termine par deux religieuses qui représentent avec elles l'ensemble des membres du clergé du Chili. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escucha con bondad nuestra súplica, Señor, y acepta las ofrendas de tu Iglesia, para que todos los hombres reciban el Espíritu de hijos de Dios y, superadas todas las desigualdades, unidos en tu paz, contribuyan a una sola familia por el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor, Padre de infinita bondad. Porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a los hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia.
y por ella vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de la fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles del cielo y con toda la Iglesia, te aclamamos en la tierra, diciendo una sola voz: Après s'être adressé au Père pour qu'il écoute les prières de ses fidèles et qu'il accepte les offrandes de l'Église, le Saint-Père nous a accompagnés dans cette prière eucharistique et nous chantons ensemble « Saint, Saint, le Seigneur est Saint ». Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Comme le Christ l'a fait, au soir de l'institution de l'Eucharistie, le Saint-Père élève l'hostie, le pain consacré, le corps du Christ. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Le Saint-Père adore le sang du Christ et le propose à l'adoration des fidèles, en l'élevant au-dessus de lui. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Nous allons maintenant, dans cette prière eucharistique, faire mémoire de la mort du Christ. Il est grand, le mystère de la foi. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial del Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la puerta del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de su pueblo. Con nuestro Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. L'Assemblée des fidèles avec ce Amen ratifie la prière eucharistique. Nous entrons dans la communion et nous sommes tous invités à réciter la prière que nous avons apprise. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No te dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor Jesucristo, tu as dit a tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix est comme le condensé de tous les biens, le don messianique par excellence. C'est ainsi qu'à ce moment de la messe, nous sommes invités à échanger tous un signe de paix. La paix du Seigneur est avec tous vous. Démonos fraternellement la paix.
ce signe de paix, on se l'échange entre voisins, entre parents et enfants, entre religieux, religieuses, entre prêtres. On se donne l'accolade derrière l'autel, entre le pape et les concélébrants. Signe de la paix, ce sont quelques 150 000 personnes qui se l'échangent ici sur cet aéroport de Makoué. 150 000, c'est le nombre de fidèles qui participent aujourd'hui à cette messe avec le pape François à Temuco, en terre mapuche. En ce temps, le Saint-Père se prépare à la communion et fractionne le pain, comme le fit le Christ. Et d'ailleurs, c'est à ce geste que les disciples reconnurent leur Seigneur après sa résurrection. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les prêtres se sont dispersés dans l'assemblée pour permettre aux fidèles de communier pendant ce temps, dans le silence. Nous prions, nous communions virtuellement avec les fidèles chiliens
Ils sont 150 000 à être venus ici à Temuco participer à cette messe présidée par leur pape François.
avez rejoints au cours de célébration. Je vous rappelle que nous sommes en direct de Temuco, au Chili, que vous êtes sur Vatican News et que nous suivons la messe présidée par le pape François, une messe qui va bientôt toucher à sa fin puisque nous en sommes à la communion des fidèles au troisième jour de ce voyage du pape François en terre chilienne. J'en profite pour vous signaler quels seront nos tout prochains rendez-vous en direct, bien évidemment, toujours en direct du Chili, puisque après la messe, il y aura, avec le décalage horaire, nous arriverons à l'heure du déjeuner. Le Saint-Père va prendre son déjeuner avec des habitants de la région. Et puis, il reprendra l'avion pour se rendre au sanctuaire de Maipú, où il rencontrera ce soir les jeunes. Donc nous rentrerons à Santiago, dans la capitale. La rencontre avec les jeunes est à 21h30 à Santiago. Autrement dit, 17h30, heure de Rome et Paris. La journée s'achèvera par une visite à l'université pontificale catholique du Chili. Ce soir, ça sera vers 23h. Después de recibir el santísimo cuerpo del Señor, permanezcamos en adoración y en diálogo íntimo con Jesús, Eucaristía. Observons quelques instants de silence pour être, après cette communion, dans l'intimité du Christ, dans l'intimité de l'Eucharistie. Je disais, le dernier rendez-vous à 23h à l'Université pontificale catholique de Santiago. 23h, c'est-à-dire 19h à Santiago. Et tous ces rendez-vous, nous les suivrons bien évidemment en direct sur Vatican News, sur notre chaîne YouTube, youtube.com/vaticanfr, avec commentaires en français. J'aurai le plaisir de vous accompagner pour ces prochains rendez-vous. Et puis bien sûr, nos amis et partenaires fidèles de AWTN Television et de Radio Maria nous feront l'amitié d'être encore avec nous tout au long de ce voyage. Nous aurons encore de très nombreux rendez-vous avant la fin de ce périple, puisque après le Chili, le pape, je vous le rappelle aussi, se rendra au Pérou. Oremos. Prions. Alimenté avec l'unique pain qui renouvelle constamment la famille humaine, nous te demandons, Père, par ce sacrement d'unité, de parvenir à un amour puissant et pur, afin de promouvoir le progrès du peuple et de réaliser les œuvres de justice inspirées par la charité. Le Saint-Père se rassoit, car maintenant nous allons pouvoir entendre quelques mots adressés au pape François et aux fidèles par Monseigneur Hector Vargas, l'évêque de Temuco. Quelques mots de remerciement pour être venu jusqu'ici, dans le sud du Chili. Querido Santo Padre, bienvenido a la Araucanía. Con enorme alegría y esperanza, y en nombre Cher Saint-Père, bienvenue en Araucanía. Avec une grande joie, avec beaucoup d'espoir et au nom des diocèses du sud du pays, je vous remercie profondément pour votre présence et pour le témoignage que vous nous apportez, témoignage du Christ pasteur parmi nous. Merci d'être venu nous confirmer dans la foi, de nous offrir la consolation et la joie de l'Évangile, de nous offrir la paix, l'amour et la miséricorde. Vous êtes ici dans une terre riche, une terre multiculturelle, avec une nature riche, une beauté exceptionnelle, une terre qui vous accueille avec émotion, avec ses ressources, ses opportunités, ses hommes et ses femmes
et ses entrepreneurs, une grande majorité de croyants qui croient en un avenir de développement humain plus digne, intégral et durable pour tous. Saint-Père, vous êtes venu dans le diocèse de San José de Temuco, une périphérie de l'Église qui a pour objectif de réaliser la synodalité grâce à la participation active de nombreux actifs, de nombreux laïcs, de nombreuses personnes consacrées qui cherchent, avec leur service et en collaboration avec le pasteur, à savoir ce que l'Esprit de vérité veut dire pour cette portion du peuple de Dieu. Ainsi, nous nous sentons appelés à servir et à évangéliser dans des contextes difficiles, avec un pourcentage inquiétant de chômage, une persistance de la pauvreté et des inégalités, la désintégration de la famille, les tensions politiques, les tensions sociales et des tensions ethniques sérieuses. Ce dernier point est d'ailleurs lié à la situation actuelle du peuple mapuche et à la dette historique que l'État a envers lui. Animés par la foi, nous avons la conviction que seul le dialogue et la recherche infatigable d'un accord nous permettra d'entamer le chemin vers la paix et la justice. Ceci tant pour notre peuple que pour le reste de la société. Comme pour le reste de la société locale en sus légitimes demandas y anhelos. Gracias a Dios, son muchos los que quieren colaborar. Dieu merci, il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui souhaitent collaborer. Par conséquent, nous sentons que par l'expérience de la rencontre avec le Christ, nous sommes appelés à témoigner de la joie d'être des disciples du Seigneur et que nous avons été envoyés ici avec le trésor de l'Évangile pour parler à tous ceux qui ont été blessés dans cette adversité. Et enfin, nous voulons témoigner que Marie, Mère de Jésus-Christ et de ses disciples, nous a toujours accueillis. Prenons soin de notre peuple et de nos emplois, sous sa protection maternelle. Avec des sentiments de profonde communion, de gratitude et d'affection pour vous et votre ministère, nous lui confions votre service en tant que successeur de Pierre. Nous ne cesserons jamais de lui demander, en tant que mère, disciple parfaite et pédagogue de l'évangélisation, de nous apprendre à être des enfants dans le Fils et à être des enfants avec une foi courageuse sur notre Père. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saint-Père, pour être venu jusqu'ici. Voilà les mots de Monseigneur Hector Vargas, l'évêque de Temuco, à la fin de cette célébration, qui s'est approché du pape François pour échanger une accolade et qui reçoit en cadeau, nous allons le voir, un magnifique calice qu'il montre à la foule avec un très large sourire et qu'il gardera en souvenir de cette visite, un calice qu'il élèvera avec le mémoire de cette visite lorsqu'il communiera au corps et au sang du Christ et qu'il présidera à son tour une messe après ce voyage. C'est maintenant le Saint-Père qui va donner sa bénédiction. Dios Todopoderoso los bendiga con misericordia y los llene de la sabiduría eterna. Amén. Él aumente en ustedes la fe y les dé la perseverancia en el buen obrar. Atraiga hacia sí sus pasos y les muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que bendigan al Señor con su vida, pueden ir en paz. C'est sur cette bénédiction du pape François, sur ces applaudissements, en signe de remerciement et de gratitude pour être venu jusqu'ici. On laisse enfin éclater notre joie au terme de cette célébration. La foule était
religieusement attentive. Et c'est sur donc cette bénédiction finale et sur ces applaudissements, sur cette musique que prend fin cette célébration, les concélébrants, les diacres, les prêtres, les évêques et le Saint-Père quittent l'autel de la même façon qu'ils l'avaient rejoint, en procession. L'autel qui avait été dressé au bord de l'aéroport de Temuco, un endroit assez grand pour accueillir autant de fidèles. Je vous rappelle que Temuco, je vous l'ai dit en début de mai, c'est une ville d'environ 300 000 habitants et il y avait 150 000 personnes aujourd'hui qui participaient à cette messe, autrement dit pratiquement un habitant sur deux qui a fait le déplacement pour rendre la visite du pape François pour participer à cette visite ici dans le sud du Chili. À toutes et à tous, merci d'avoir été en compagnie de Vatican News. Jean-Charles Puzzolu vous salue. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques heures pour les prochains rendez-vous et notamment la rencontre avec les jeunes. Ce sera heure de Rome aux alentours de 21h30 et puis un peu plus tard vers 23h pour la visite de l'Université catholique. Merci d'avoir été avec nous. Il me reste à vous souhaiter de bien continuer votre programme et de revenir, bien évidemment, ce soir pour la suite de ce voyage apostolique du pape François en Amérique latine. Au revoir et à tout à l'heure. Levantemos, vamos con nuestras banderas y nuestros pañuelos. Nos despedimos del Santo Padre que nos visita y nos regala la paz del Señor. Estamos alegres, estamos de fiesta. Permanezcamos tranquilos en nuestra parcela.